Trip Show, c'est une toute nouvelle chanson qui sera, à mon avis, sur mon deuxième album. C'est une chanson qu'on a commencé à tester sur scène, en fait, pour voir le public, comment il réagissait par rapport à ce morceau. À la base, c'était pas prévu qu'on fasse un clip. Et à la première date à Strasbourg, il y avait tellement d'énergie sur scène qu'on a décidé de filmer ça sur toutes les dates de la tournée, dans l'optique de faire un clip en revenant. Quatrième clip officiel qu'on tourne, voilà, avec une petite particularité, puisque on va mettre des images de la tournée dans ce clip-là, mais aussi ce qu'on a tourné lors du studio vidéo. On a décidé de shooter des plans sur fond blanc, avec des figurants, pour montrer que c'est vraiment la fête, et du coup apporter aussi dans ce clip-là un côté live qu'il n'y avait pas dans les anciens clips de Romain. Franchement, on a bien rigolé. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, sur un clip qu'on a autant de monde qui intervient, en tant que comédien, figurant, musicien, etc. Donc bonne ambiance avec du monde, c'était la fête, tout simplement. À un moment, Mike, Fuchs, Meryl ou même moi, on est censé faire un peu ce qu'on appelle des tricks, c'est des trucs un peu de musicien, genre faire bouger sa guitare, faire bouger sa basse. Et Mike, il a un peu pris la confiance, il a fait un énorme spin, on appelle ça un spin de basse, et il a démonté le mur. Mais il a démonté le mur. Et d'ailleurs, c'est génial parce qu'on a le plan du coup qui a été tourné au ralenti, et on voit que la basse tape le mur, et là d'un coup, l'expression de son visage change d'un coup. Non, franchement, on a bien rigolé. Je pense que le mec à qui est le mur, qui est en train de me filmer actuellement, rigolait moins à ce moment-là, mais non, c'était cool. Déjà, dans les sonorités, il y a un changement. C'est plus un retour aux sources, si tu veux. Moi, je viens vraiment du milieu punk rock, pop punk, etc. C'est un clip qui est différent des autres, de par son concept, de par l'image qu'on véhicule. Parce qu'on essaye aussi d'avoir quelque chose qui soit plus rock, plus énergique, plus scénique, mais qui soit aussi plus mature dans l'image qu'on développe sur l'ensemble. Je grandis, je change, ça fait partie de, au-delà de ma vie d'artiste, de ma vie perso, quoi. C'est l'envie de grandir, de mûrir aussi. Tous les gens ont pris plaisir à faire la fête sur ce morceau, et c'est ça qui était vraiment super, c'était de voir les gens s'éclater sur le titre, peu importe d'où ils venaient, l'âge qu'ils avaient, ce qu'ils écoutaient dans la vie. J'ai vraiment envie de faire plein de choses et de toucher à des choses que j'avais encore jamais faites. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à prouver et à montrer,